Ça c'est normal, des fois ça va. J'ai cru que j'ai. Eh mec, ça c'est virus, hein. De quoi? Ça ce qui vient de m'arriver? Ouais. Ça c'est virus. Ouais! Allez, start! Mais c'est ton rêve que j'ai un virus ou quoi? Non, je détesterais que t'aies un virus. Bah arrête de dire virus, virus, c'est bon aussi. Non, mais au moins. J'ai un antivirus en Vaut plus. mieux. Vaut mieux prévenir que guérir. J'ai NordVPN, qui fait aussi un anti-malware redoutable. Surtout Ils sont top, ils avec sont top, moyen. hein. Non. Bon, bah alors. Ok, allez! Allez! Allez, c'est parti! Night 1! Nit 1! Moi, je ferais ça comme Fort Boyard. Oh, hello there, welcome to Shrek's. Allez, vas-y, prends les escaliers. Escaliers, on s'en fout. Hi, j'ai dû parler. On s'en fout de ça. Flo, t'es obligé de parler. Sure, we have an empty room on the second floor. Vas-y, va à la chambre. C'est bon, les gars, je marche. Oh, c'est schlag à ce point. J'adore. Oh, y'a du biscuit! Y'a du biscuit! Waouh! Attends, y'a du biscuit! Il a peur de toi? Mais non, Oh, il est exploité! Est-ce que ça va? Ouais, je bosse là. J'étais juste en train de ranger les chambres Moi, sales. Je fais un message vert, ok? Ok. Mais c'est le distributeur du jeu d'avant. Je crois que c'est ma chambre. I need to take a dump before sleep. I need to take a dump. C'est non, quoi, c'est moi. J'ai besoin d'aller faire pipi avant de sleep. Ok, mais arrête d'aller partout. Mais t'es vraiment hyper actif, pauvre garçon. Ouvre la porte à droite. Mais non, les chiottes, c'est les chiottes, pauvre garçon, quoi. Je m'excuse. Bah enfin, un peu d'ego de côté là. Excuse me, where is the toilet? Où sont les chiottes? C'est moi les messages verts, mec. Pardon, pardon. The toilet is over there. Tu fais pas? Merde, c'est pas que c'était vert, je suis désolé. Non, ça c'est rouge. Je suis tellement idiot qu'il croit que je suis sur ces couleurs là. Pisse surtout pas sur le mur, il t'a dit. Il est pas content, je dois racheter, il faut pas l'embrouiller. Ok. Il va pisser sur le mur. Mais je peux pas choisir. Mais la porte. Non. Non. Non, frérot. Non, non, mais attends. Attends, qu'est-ce qu'il y a là? Elle change de jugement assez fort là. Allez, remonte. Oh, c'est un triple A ce jeu. Tu dors? Attends, vous avez toujours pas sa TV là? Ça c'est badge. On rigole pour tous les trucs de merde. Oh, petit biscuit. Last night you took a big dump in my toilet. La nuit dernière, t'as lâché une énorme merde dans mes chiottes. Ça m'a pris énormément de temps de la nettoyer. Now you have to help clean up the toilet. Donc maintenant tu vas nous aider à nettoyer le sol des chiottes. J'ai rien. I said go and clean J'ai dit, up the vas-y toilet. Et nettoie les chiottes. Il tend le balai. Mais vas-y, c'est petit biscuit qui est payé pour faire ça. Oh. On n'a pas chié par terre, mec. Non, mais là, on te laisse pas faire. Oh, mec, hey, Shrek qui te dit d'aller nettoyer les chiottes, tu nettoies les chiottes. Mais t'as jamais chié par terre, gars. Bah... Ça, c'est nous, ça, qui avons fait ça, peut-être. Ouais, mais non. Bah voilà. Mais va lui dire, gars. Je peux pas sortir. Ah, t'es obligé de tout... Tu vois encore des traces? Là, juste là, on avait une à tes pieds, là. Sur la dalle, là. Là, là. Vas-y, là. Mais non, ça marche pas. Gagné. Oh, mais regarde, non. Il maltraite petit biscuit, il nous fait laver le sol de ses chiottes. C'est scandaleux. Parle à petit biscuit, console. Je peux pas. Mais tu fais quoi? Tu vas te coucher? Bah ouais, je vais me coucher, mec, c'est bon là. J'ai trop fait là. C'est tout? Mais j'ai travaillé, mec. Ta journée, c'est laver les. Oh, c'est qui? C'était qui? C'est qui ça? Je sais pas. Ouf. Je peux pas. Essaye d'aller dormir. I don't feel sleepy. J'ai pas envie de dormir. Peut-être que je devrais regarder les peintures. Ah, la peinture dans l'entrée. La peinture dans l'entrée à gauche. Mais non, lui là. Comme ça qu'on passe du temps. Oh non. Oh no, what have I done? Oh non. Qu'est-ce que j'ai fait? Je devrais faire quelque chose. Oh non, faut qu'il nettoie, mais en nettoyant. Attends. Oh waouh, jeu à choix, mec. Oh, jeu à choix. Putain, les gars, c'est des 3 become human. Attends. On peut pas reset, hein. Que feraient les joueurs? Je sais que tu peux pas jouer sans reset, mais on peut pas reset.
j'ai reset une fois. T'as reset 40 fois la fin. J'ai reset. Hier, j'ai lancé ton live, j'ai vu la fin 3000 fois. Attends, t'as quelque chose à me dire? Tu me le dis dans les yeux. J'ai. Je vais pas te regarder dans les yeux sans regarder. Mais tu me l'as déjà dit en regardant dans les yeux. Moi, je pense. Est-ce qu'on cache la peinture ou est-ce qu'on court? Runaway, c'est mort, frère. Il faut passer devant lui. Non. Il va nous attraper. Il va on peut faire genre, c'est l'autre là. Qu'on vient de voir là. Ah, genre, on dit, mec, on l'a vu faire ouais, ça. Ouais, 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 ouais. Mais il y aurait une troisième option, connard. Tu crois que c'est marqué là? Moi, je cache la peinture. Genre. Tu caches la peinture parce qu'ils sont tous en train de dire caché, non? J'ai même pas regardé le chat. Je n'ai même pas regardé le chat. Ah, parce que Cheetos a écrit caché là au milieu de l'écran. Non, il fait plus ça, ça me manque. Ah ouais? Ouais, y a plus. Yes! Bon, c'est bon à savoir ça. Parce que j'en pouvais plus de ça. Hein. C'était drôle. Quand je galérais trop. Non, mais mec, c'est marrant de voir un streamer galérer. Genre, c'est pas. Non, mais c'est pas ça, c'est quand ça, devenait, ça devenait chiant sur le live, tu vois. Que quand je trouvais pas un objet, genre. Frérot, il live! Va dans la chambre! Il a failli nous baiser. C'était chaud. C'était clos. Ouvre pas. Who could it be? Qui ça peut être? I, how could I help? Comment puis-je vous aider? Just checking in. There's some noise coming from upstairs. Je regarde, juste j'ai entendu des bruits venir de l'étage. I didn't hear. J'ai rien entendu. Are you sure? T'es sûr? Yes. Oui, tout va bien. All right. Good okay. Night, then. Bonne nuit alors. On est dans la merde. Pourquoi on l'a mis dans notre chambre? Fallait le glisser sous la porte de l'autre. Mais non. Bah si, comme une lettre, bam. En vrai. Oh frérot. On est dans la merde, je te dis, on est dans la merde. Moi je sais pas si on a fait le bon choix en vrai. Il me dit rien. Okay, il dit rien. C'est qu'on a bien joué, je pense. Quel est l'objectif? I feel very hungry. J'ai faim, je devrais aller au food court. Ah c'est là, vas-y c'est à gauche. Oh c'est le voisin d'en face. C'est ce bâtard qui a craché sur la peinture. C'est lui. C'est lui qui a éternué. Enfoiré, va. Pourquoi t'as fait ça? On va te balancer, nous. Sac à merde. Ouais, ouais. Oh, c'est chapoté. C'est Jumbo. Alors, attends, choisis du plat. Attends, t'as un burger, une banane, une pizza ou des noodles instantanés? Lui, il mange le burger déjà, ok? Donc, mange pas le burger, tu vas finir comme lui. On n'a pas envie de finir comme lui. Moi, je te dis... Non, moi, j'ai envie de prendre ça, là. Ouais, moi aussi. C'est ah ouais? Ouais, pasta neutre, je suis d'accord. Prends le truc de gauche. Pasta neutre. Chinese food. Ah, faut que tu t'assoies avec lui, c'est sûr. I want to sit down and eat my food. Voilà. Ah, la flèche. Hey, how are you doing? Hey, comment ça va? Hey, comment ça va? Hi, I'm Carl. Salut, je suis Carl. Nice to meet you, Carl. Enchanté, Carl. Vas-y, mange. C'est fini? Tu vas dormir? Ouais. Mais c'est quoi la vie de ce gars là? Il me regarde mal. Très mal. Ah, très très mal, j'ai peur. Mec, faut glisser le tableau sous la porte de l'autre. Attends, ouvre la porte de l'autre, voir. J'essaye, t'inquiète, j'essaye. Chaque fois j'essaye. Ah le bâtard. Attends là, y'a un truc là. Non, faut dormir. Faut dormir. Non, ça, là on va cacher le tableau ailleurs, tu vas voir. Mais tu veux le cacher où? Non, c'est mort. On va se réveiller, il sera dans la chambre Shrek. Nuit 4, hein. Il nous réveille dans la nuit, regarde. Oh, il y a plus Shrek. Il y a des cartons. Il y a plus personne. Il y a plus personne, mec. Attends, à l'étage. C'est jeu d'horreur là, c'est attends, ils t'attendent tous dans ta chambre. Et tu vas passer un sale quart d'heure. Putain, je savais que j'aurais dû me barrer. Ils t'attendent tous dans la chambre, c'est sûr. Attends, viens, on se casse. Non, c'est mort, faut faire 5 nuits. Ils t'attendent tous dans la chambre, frérot. Putain, ils vont nous. Et on va se prendre un guet-apens. On va se prendre un. Oh, l'âne, c'est l'âne, mec, le truc en bas. C'est horrible. Ah oui, c'est horrible, ouais, je vais capter. Ouais. C'est ça le truc. Ah oh. Did you do this to my great, great grandpa picture? Est-ce que t'as fait ça? C'est toi qui as fait ça sur mon tableau exceptionnel de mon grand-père? Non, arrière-grand-père. I have had enough of your troubles. J'en ai plus qu'assez des problèmes que tu crées ici. Now you must pay this. Maintenant, tu vas devoir payer for me. En bossant ici une nuit pour moi. Go downstairs and bring the boxes off. Va en bas et monte les cartons. Et ensuite fous-les dans le stock. Non. Va en bas, prends les cartons. Putain, je croyais qu'il fallait que je me. Mais c'est logique qu'il tombe dessus parce qu'il nettoie notre chambre le matin.
Le Tibiscuit nous a balancé. Il nettoie notre chambre le matin. T'as éternué sur mon tableau de mon arrière. Non, arrière non, j'ai de... dans le vide. Vas-y, bah, faut aller dans le stock au fond. Mais... non, je peux pas. Ah. Là, ouvre le truc à droite, la porte à droite. Ouais, c'est ça. C'est oh. Ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vas-y, pause. Et faut que tu fasses deux allers-retours. Ah ouais, ça aurait été bien, bien joué, bien faut joué. Faut toujours essayer, faut toujours essayer. Elle était belle. Faut toujours essayer. Oh, Carl. Hey, how are you doing? Hey, comment ça va? Carl. Hello, I'm fine. Do you need any help? Salut, ça va? T'as besoin d'aide? Thanks. It would be great if you could bring a box of. Ce serait cool que vous pourriez m'aider à prendre les boîtes en haut. La victime. Frérot. Attends, il va m'engueuler là. Carl, il est louche, je te le dis direct. Il va m'engueuler, il va m'engueuler. Carl, il est louche. Carl, c'est pas notre pote, je te le dis direct. Carl, il a éternué sur la, sur le truc déjà, ce bâtard. C'est good bon, boy. Patron. Now you can go, bon chien, maintenant tu peux aller dormir. Non, c'est boy, c'est pas chien. Non, bon chien. Vas-y, va dormir. Minuit. Oh, oh putain. Attends. Minuit zéro. Faut tenir mec. Va prendre une arme. Va prendre une arme dans la warehouse. On est mort. Je vois rien mec. Ouais, on est en train de mourir. Ah bon? Non. Oh, ah bon? Y'a rien qui s'ouvre là? Là-bas c'est. Y'a rien. Même la porte là-bas elle s'ouvre pas. Mais non. Oh. Oh, on est mort. Prends le couteau. Prends le couteau. Je peux rien faire. Non. Nuit 5. Ça m'a fait plus peur que tout le jeu d'On Scream. Ouais. Qu'est-ce qui nous arrive? C'est du jus de Shrek. C'est de la sueur de Shrek alors. Je me sens fort. Oh non, on est en train de se transformer en Shrek. Oh putain. I feel weak again. Je me sens faible de nouveau. Ah, du coup, les barreaux, c'est mort. C'est pas grave, va à droite là-bas là. Carl! Mais. Oh my god, you're alive! Mais tu es en vie, mais. Comment c'est possible? Je pensais que t'étais mort. Je vais essayer de trouver quelque chose pour te libérer. Mais, c'est frérot, il y a un truc bizarre là. Attends, tu pouvais. Non, t'es pas assez fort. Je suis pas assez fort. Faut casser une caisse là, à gauche là, et prendre le jus qu'il y a dedans là, ça là. Ah merde, ça c'est le truc plastique. Il nous faut un ciseau. Non, je pense que c'est. Tu vas reprendre. Un jus, un barreau, une barrière. Il est dit de ne pas boire ça une fois par vie. Je vais overdose. Prends-en une, mais la bois pas et tu vas la donner à Carl. Ah. Je suis un génie. Ah, t'es un génie. T'es un génie. Ouais, mais moi je suis le seul. Mais attends. Tu sais que je suis le seul mec d'Europe à avoir perfect run des 3 Becoming One, tu sais ou pas? Mais si je libère Carl, comment je pars? Mais c'est lui, regarde, donne-lui. Here, take this energy drink and drink it. Carl va pouvoir faire deux barreaux. Tiens, prends cette boisson énergisante et bois-la. Et voilà. Vite, Carl, vite! Tiens, mais Carl, oh wow, oh wow! Et voilà, j'ai tout recommencé à cause de toi. Bah ouais, mais t'as mal joué. Je pensais que Carl il allait sortir de. Bah ouais, je sais, t'as compté sur une intervention héroïque de Carl, mais ça se passe pas comme ça. Oh, t'as perdu à ce jeu, c'est tellement nul. Ah, flashbang! I feel strong. T'as perdu à ce jeu, Locke. Bah tiens. Ok. Tiens, c'est bon. Fait. Tu te moquais de moi et je l'ai pas supporté. It says on the back to not drink. I might overdose. Oh Seven. Non. Allez, pousse-toi. Allez, reprends les choses en main. C'est vrai que reprends les choses en main, s'il te plaît. Bon. Ouais, bon, c'était bien tenté. Reprends les choses en main. Non, c'était bien tenté. Bien tenté. Faire. Du coup là, à cause de toi, le chat va avoir une flashbang en plus.
I feel strong. En plus, comme on est dans le noir, ça doit grave se voir quand l'écran est devenu. Ah non, mais ouais, mais je... T'as l'air pour une canette pour lui donner? Allez, tu fais demi-tour et tu t'achètes une mémoire, merci. C'est toi qui dis ça? It says on the back to not drink. I might overdose. Eh, mais je sais, merci, mec. T'es impatient, tu veux jouer? Non. Parce que dès que je joue, j'overdose. I feel weak again. Je me sens faible. J'avoue. Allez, donne-la à Carl. Et cours dès le début, n'oublie pas. Mais c'est vrai que moi aussi, j'aurais misé sur un truc drôle où il sort de là et il déchire Shrek, tu vois. Cours. Je veux pas courir. Si t'as des coups, tu te retournes une milliseconde. Si t'es le mec le plus viril qui existe, tu te retournes une seconde. Ah, dommage. Comment ça, dommage? Oh, non, putain, je suis pris au piège. Sa tête a changé, c'est pas le vrai Shrek. C'est pas le vrai Shrek. C'est pas le vrai Shrek. Oh! Wow! Mais c'est qui ça? C'est Giga Chat. OMG, bah qui? Attends. Attends, bah c'est Giga Chat. C'est Carl! Frérot, c'est tombé Baki avant l'heure là? Mais c'est Carl! Oh non, il est RPG! Oh! Il a pu le rattraper. Hey, thank you for playing. I hope you enjoyed the game. On en est réduit à là, tu vois. On en est réduit à là. Tu vois, c'est ça le problème. On est réduit à là. Voilà les jeux qu'on doit faire. Franchement, le jeu était bien en plus. Hein. La vie dernière, je vais lui faire un don. Il était si tu peux lui faire un don, je te jure, je vais lui faire un don. Il était intrigué, hein. Le jeu était intriguant et tout. Allez, envoyez nous un autre jeu comme ça. Allez, c'est le mood. Ah. Use headphones for better experience. Jouer solo dans un environnement dark. Allez, allez. Bonne soirée. Ouais, à toutes. Bisous. Ouais. À toutes. Ça fait un plaisir. Ouais, bisous mon loc. Ciao. Bonne nuit le chat. Ciao. Bisous. Merci d'être resté. Merci de vous abonner. Twitch.tv/leclient. Merci beaucoup les gars. Allez, fin, live, allez, fin de la blague. Reviens. Je vais lancer mon live. J'arrive. Reviens mon bébé. Mec, ça commence. Ok. Les gars, ce jeu, on va vraiment rire. Vous êtes sûr de vous? Moi, je pense qu'on va avoir peur. Oh, mec, si on a peur de mon poop killer, c'est vraiment quelque chose. Allez, new game. Allez, c'est parti. Are you sure? Yes, vas-y, on y va. Attends, il faut que je revienne. Attends, j'arrive. Est-ce que vous aussi vous écartez l'une des fesses pour pas faire de bruit? Est-ce que vous aussi vous faites ce genre de truc? T'as déjà fini le jeu? Ouais, c'est la fin. Oh. Allez, viens là, allez, viens là. Ah frérot, je te l'ai, hey, mec. Quoi? Si tu veux, si tu veux, merci. Mais arrête de péter. Ah, je te jure. Les gars, vous vous rendez compte, le gars avec qui je live, il y a eu 3 SFX de prout au lancement du jeu, il est parti péter. C'est pas la classe. Il est parti lâcher c'est des silencieux la là-bas en s'écartant. C'est pas la classe, un mec qui va ailleurs pour péter. C'est pas la classe, les gars. Tu sens là? Tu sens? Imagine, là tu sens les 30% de résidus. Mais genre là-bas, il y a 100% de puissance. Ah, je te dis, je reconnais. Frérot, t'as le one for all. T'as non, la ref ou pas? Non. Il a rigolé. Non, mais attends, attends. Attends, attends, mec. Tu sais que... Il a rigolé, il a pas la ref. C'est quoi? T'es vraiment un bon pote. C'est je savais que t'avais pas la ref. C'est un truc dans My Hero Academia. Ah, okay. Je lis ça en ce moment. Mais si, le j'ai fait, la ref. Le fait que t'es rigolé. Les animés, j'adore. Qu'est-ce que je t'aime, frérot. Allez, vas-y. Allez, le tiens. Message. Ah, c'est pour toi. Vas-y, t'es un boss. Allez, vas-y. Oula, bonne chance. Bonne chance à toi. Oh, fais échappe tête. Settings. Ouais, voilà, voilà. Tu mets ça à 0,3, on est au max. C'est terminé. Bah, 1, c'est mieux que rien. Non, laisse à fond, laisse à fond. Ils sont déjà à moins 14, là. Laisse à fond. Ça a rien changé. Attends. Je peux te mettre plus lent. Non, c'est pas... Si, je peux te mettre plus lent via ça. Putain. Voilà. Merci. Alors, John, merci. Voilà ce que tu vas faire. Fais-les dans l'ordre que j'ai marqué. Et que quand tu n'as aucun client. Mets les films d'horreur sur le shelf. C'est quoi shelf? C'est étagère.
Sweep stains from the floor. J'ai rien, à part floor. Ça veut dire passe le balai et essuie les taches sur le sol. Ok. Envoie les déchets en bas. Throw the trash. Non mais vide les poubelles d'en bas. T'es sérieux ou quoi là? Non, depuis en bas. Bon. Et nettoie les graffitis sur le mur extérieur. Ok, donc l'ordre c'est les movies sur le shelf. Les movies. Ensuite le balai. Le balai. Et en dernier les graffitis. Donc ça, hop, tu les mets là. Il doit y avoir des trous dans lesquels tu les mets, non? C'est terminé. Mets la cassette dans le trou. Non, voilà, faut trouver... Faut les remettre au bon endroit, voilà, mec. Voilà, hein. C'est Adult Adventure. Horreur, ça doit être au fond, genre un peu loin des gosses, tu vois ce que je veux dire? Genre dans l'angle là-bas, je suis sûr, c'est là-bas. Suspense, c'est Action. Ah non. Put Movie. Bah vas-y, c'est là, put. Vas-y, mec. C'est pas un style de film, le put movie, bah oui, mec. Ah ouais, bien. Je suis concentré, j'ai peur. Idiot. Power Drill Massacre. Okay. N'oublie pas, faut pas le faire quand on a un customers. N'oublie pas. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire là, on est libre de faire ce qu'on veut. Mais si quelqu'un vient instantanément, c'est la merde. T'es sûr? Ouais, sûr et certain. Ok, maintenant que ça s'est fait, c'est le balai, là où il y a les taches par terre de crotte, là. Prends le balai. Je prends le balai? Merde. Oh! Oh, c'est une pièce secrète! Oh! T'es dehors, vas-y, dégage ça. Referme la porte, non? Ok, relis les tâches. Non, mais la feuille du début, relis les tâches. Attends! C'est qui? J'en sais rien, mec. Mais c'est un customer, on va le régaler. Va derrière ton ordi, fais genre tu bosses, il va nous balancer. Bonjour. Vas-y, prends plus ton temps, toi. Relis la feuille qu'il y a sur le bureau, je t'en conjure. À gauche, là, le truc qui brille, voilà. Sweep stains from the floor, mec. Sweep stains from the floor. C'est une musique? Non. Si. Non. C'est une musique, je sais pas si tu connais. C'est de David Bowie. Hein? C'est downstairs, mec. Enfin, en bas, là, de toute façon, il a besoin de nous, le mec. Ça, c'est ça, le trash. Ah, c'est ça, le trash qu'il faut dégager. Ah, oh, mais en fait, il vit en dessous. Waouh, stylé. Stylé de vivre sous son vidéoclub, genre. Ah ouais? Non? Non. Bah, y'a pas de fenêtre, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a pas de fenêtre, y'a rien. Il fait quoi, là? Il arrive. Bonjour. Bonsoir, boy. J'aimerais louer cette cassette. The Elevator. C'est un film d'horreur. Bonsoir, monsieur, pas de soucis, c'est $3 s'il vous plaît. Alright, gardez la monnaie, à très vite. Oh le bâtard. 3 balles. $5, hein. Ah ouais, 5 balles. Ouais. Ah ouais, c'est cher. Je te les mets dans la caisse. Okay. C'était si cher que ça de louer une cassette? Non, impossible. Si. Ah, si. $5 à l'époque des cassettes. Mais bien plus que ça. Pour louer une cassette? Mais bien sûr, mec. C'était genre 15 Impossible. Balles. Impossible. C'était 15 balles et tout, mec. T'es un malade, toi, quoi. Non. Ah bah c'est bon, vas-y, prends le broom. Vas-y. C'était 15 balles et tout, mec. T'es un ouf ou quoi, toi? Ah oui, c'est $3, pas 5. Je suis trop con, excusez-moi. $3, ça va. $5, c'est cher. On dirait Squeezie sur le billet. Ah, je me rappelle pas du gars sur le... Lui, il est en minivan et tout. Il est bizarre. Il a pris un film d'horreur en minivan. Je le trouve bizarre, je te le dis. Je le trouve extrêmement bizarre. Là, il y en avait un entre les rangées. Mais ça, c'est tu sais pas bosser, donc t'as pas vu, mais. Il y en avait un juste là entre les rangées. Ensuite, c'est les trashs, c'est ça? Ouais, mais il y a un autre client qui va arriver avant les trashs. Ah ouais, faut qu'on attende le client. Bah oui. On va trop vite là. 25 C'est la police, c'est la police. Oh! Sauvez-nous, monsieur! Agis naturellement! Agis naturellement! Aïe! T'as les courbatures? Ouais. Agis naturellement. Va bosser. On n'a rien fait, c'est pas nous. C'est bon, mec. Ça marche. Oh, le bâtard. Alors voilà, monsieur le policier. Monsieur Polizei. Hey, on dirait bien que vous voulez mener une ronde enquête. Ah hein, oui. Monsieur le Polizei. Ah bah non, en fait. Ah non, on l'a accusé. Attends. Il a juste regardé. Ah oui, ouais, ok. Plus raccord. Oui, ok. J'ai rien fait. Bon, tu choisis, là, connard.
Fais gaffe, oh, c'est un policier. Regarde, eh, putain, il t'a entendu. Oh non, oh non. Fais genre tu bosses devant l'ordi. Attends, qu'est-ce qu'il va te louer? C'est quoi? Endless Days, un film de poète maudit, genre. Vas-y, parle-lui. J'aimerais louer cette cassette, combien ça coûte? 5$. Oh, on lui fait 2$ de plus parce qu'il est politisé. Ah, wow. Nah. Here's the money, merci. Non, mais attends, attends, c'est faux parce que tu sais qu'il y a des cassettes qui sont plus chères que d'autres. Il y avait des cassettes qui étaient plus chères que d'autres. Ah, genre parce que le film est plus récent, ouais, ouais, ouais. Ou donc plus rare, ouais, un truc ouais, comme ouais. Ça. Ah, ouais, peut-être, ok, ok, ouais. Ok. Ok, ok. Donc là, c'est quoi? C'est les trash? Ouais. Là, tu dois prendre les trash. Mais attends, mais mec, et si je faisais pas ça correctement? Si tu faisais pas quoi? Bah, les tâches. C'est impossible, je pense. Tant que tu fais rien. Les gens, ils disent qu'apparemment, on dirait moins sur le billet, faut qu'on regarde. Ah ouais? Ouais. Et un distributeur à pizza. Eh, bouge-toi là! Celle-là, 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 bien joué. Magnifique. Ah ouais, t'as deux allers-retours à faire, comment c'est relou. Tiens, prends le relais. Tu veux que je prenne? Ah ouais, ah ouais, ouais. Les poubelles, c'est moi. Ah ouais, ouais, on voit bien comment tu te comportes, ouais. Toi. Mais passer le balai, ranger, ouais, ça, c'est moi. Ouais, c'est ça, et les poubelles, c'est moi, directement. Ramasse les mouches, les poubelles. Les trucs qui puent, c'est moi, ouais, ok, ouais, d'accord. Ramasse les poubelles, t'as ouais, bravo, bravo, que moi pour bah, bravo, 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 franchement, bravo. Les gens, ils disent, c'est vraiment toi sur le billet. Mais apparemment, mais faut qu'on regarde au prochain, ok. Viens, on regarde au prochain. Change la qualité en PS2, attends. Là, caméra style PS2. Aurore. Ah ouais, c'est un peu mieux. Ouais. C'est un peu mieux. Ouais, c'est mieux, ouais. Merci. Allez, nettoie. Ta gueule. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? T'as eu peur? Je vais reporter ta chaîne Twitch. Ah bon? Bah oui, arrête de me de insulter comme ça, me dénigrer comme ça. Mais ta gueule. Oh. C'est quoi ça? C'est un arbre sous verre? Moi, j'adore ça. Un arbre sous verre? J'adore ça. Les arbres sous verre? Alors, pas un arbre, mais généralement, tu sais, c'est ouvert au top. C'est ouvert au top? Ouais, au top, c'est ouvert. Qu'est-ce qu'il y a? Avec Gotha, les jeux vidéo ont brûlé votre cerveau, mais, les gars. Mais pas du tout. Gotha, des fois, il parle de trucs de la vraie vie. Genre, il emploie des termes hyper spécifiques gaming en parlant, je sais pas, de Liam ou quoi, ça me tue de rire. Il va dire, genre. Ouais, là, il a vu le chien, il était stun. Il va dire des trucs comme ça, tu vois. Ouais, là il partait en. Il pleurait et tout, je lui ai mis sa tétine, ça la reset. Tu sais, il va dire des trucs. Ah ouais. Ouais, il dit des trucs comme ça. C'est. Il... Oh! New customer arrive! New customer! Bonjour monsieur, bienvenue, bienvenue dans mon magasin, c'est bien moi, le célèbre. Le célèbre youtubeur. Oh le bâtard, regarde, il a mis un polygone de boule pour faire un double menton. T'as vu le bâtard? Par contre, il aurait pu les accélérer un petit peu, tu vois. Ce ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils prennent beaucoup leur temps. Après, voilà, c'est des kiffeurs. Ils viennent là après une dure journée. C'est vrai, mais tu sais qu'avant, on kiffait aussi, hein. Toi, t'as pas connu cette époque. Mais nous, on allait dans les vidéoclubs, mec. Ça s'appelait Vidéo Future, même. Et tu t'es pris pour mon grand-père ou. Mais frérot, moi, j'ai. C'est pas moi, non, j'ai pas bêté là. C'est pas toi? Alors, je suis pas bêté. Attends, regardons le billet. Vas-y. J'aimerais. S'il vous plaît, je dois vite utiliser les toilettes. Oh non, oh non, 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 c'est pas c'est bon. Mort, c'est mort, c'est mort. Non. C'est mort. En plus, tu vois, en plus, on a vu ce qui est arrivé à Shrek dans le jeu d'avant quand on a posé une giga merde dans ses chiottes et on veut pas que ça nous arrive. Alright, sir. Allez-y. Non, 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 non. Et voilà, Marco. Pas client et d'utiliser les chiottes. Elles sont où les chiottes? Derrière toi, là. Oh le bâtard. Là, elles sont à droite, là. Oh le bâtard. Oh, il est mal, hein. Ah ouais, il allait pas bien, là. Il va y avoir du bruit de fou là. Pourquoi tu le regardes chier? Bah j'attends. Tu mets tes. Y'a pas comme un ça SFX? Toi là, du coup, tu vois un mec chier, ça te donne envie de chier genre. Toi aussi, tu mets tes pieds joints comme ça? Il chie comme as! Le gars, il chie, il est comme ça! Alors il est recommandé. Oh par contre tu putain merde. Oh putain. Mais frérot le jeu il est en 4D. Mais mec ça, tu veux pas faire un truc là hey. Incroyable ce jeu. Monsieur sortez c'est bon. Oh waouh. Clean the graffiti outside. Attends mais attends j'y vais.
Oh, ah, il a fini. Eh, j'espère au moins il nous loue un film. Bah, et sinon il a intérêt à nous louer. Il a intérêt. Les toilettes ne sont pas pour les. Il y a des mouches. Ah, faudra nettoyer. Sale connard. Il a bouché les chiottes, mec. Mais non, il a juste. C'est ma hantise, ça. Mais non, il a juste posé quand ses. Quand je tire la chasse, tu sais qu'à chaque fois j'ai un coup de pression. Ah ouais. Ouais, c'est ma vraie. Est-ce que les gars, vous êtes déjà allés, genre vous avez déjà chié chez quelqu'un et quand vous avez tiré la chasse d'eau, vous avez compris que c'était que vous avez, je sais pas, vous aviez mais mis trop de PQ pour vous essuyer. Malade. Et l'eau est montée comme ça. Toi, tu as déjà fait, toi, on dirait la seule expérience là. T'as déjà bouché les chiottes de quelqu'un. T'es vraiment un enfoiré, toi. Toi, t'es un enfoiré. Et 100% t'es allé le voir et tu regarde ouais, le nombre de gens qui disent oui, mec. Le nombre de mais gens. Vous n'avez aucune race, attends. Le nombre de gens qui ont bouché les chiottes d'un pote à eux. Mec, vrai. C'est humain, c'est obligé, dans une vie ça t'arrive. Tu vas, je sais pas, t'as un peu trop de crotte au cul, t'essuies trop de PQ dans l'eau et tu tiens chasse d'eau. Et ce qui fait peur, c'est que l'eau elle monte comme ça. Ah ouais. Avec toute ta. Moi, c'est ma hantise, hein. Avec toute ta crotte qui commence. Mais du coup, tu l'as déjà fait. Ouais. Mais j'ai attendu de fou. Genre, j'étais en mode, bah, je sors jamais d'ici. C'est hors de question que. Ah ouais? Mais mec, c'est horrible. Ça t'as fait quoi du coup? Ça fait genre une marmite. T'as attendu et c'est parti. J'ai attendu et je sais pas, j'ai eu de la chatte, ça a fini par. T'as eu trop de chatte. Tu sais ce qu'il faut faire? Non. Liquide vaisselle eau chaude. Donc je vais dans le salon et je dis, excusez-moi. Ouais. Tu prends un peu de liquide vaisselle. Je peux vous demander votre liquide vaisselle ouais. Et votre eau ou du chaude. Savon. Ou tu sais, le savon là-bas? Liquide vaisselle ouais, eau ouais. Chaude, pourquoi? Ouais, ouais, parce que ça fluidifie un peu le truc, mais hé, aucune garantie, les gars. La seule qui a marché pour moi, parce que moi. Attends, imagine, ça marche pas. Ils reviennent. Il voit que l'eau elle est un peu chaude avec de la mousse. Et des bouts de merde. Et des bouts de merde. Il se dit, oh, mais mon fils est fou. Bah, non, non, mon non. Mon beau-fils est fou. Non, c'est que t'as tenté un truc. Mais non, les gars, si ça les marche gars, de temps en temps. Non, les marche. Gars, ne faites pas la strat de Locke. Ça veut dire, si ça marche pas, vous passez juste d'un gros dégueu à un pur psychopathe qui a mis du. Non, du... non, 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 non. Attends, non, attends, gars, attends, 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 je vais sauver du monde là. Je vais sauver des gens là. Sinon, vous. Sinon, vous chopez un cintre chez le mec. Vous chopez un cintre. Non, non, attends, j'ai débouché toutes mes chiottes de ma vie comme ça. Ok. Ah, mais toi, t'es un gros boucheur de chiottes. Moi, je suis un gros boucheur de chiottes. Et frérot, vous prenez un cintre, vous le décintrez, le cintre, en fait, c'est les cintres en métal. Ouais, là, tu le déplies. Tu le déplies. Ouais. Et du coup, t'as une tige ouais. Très rigide et tu vas aller chercher jusqu'au bout pour pousser. Et du coup, généralement, quand okay, tu okay, fais okay, ça, okay. Attends, comment généralement, tu... quand vous faites ça, préparez-vous à mettre les mains dans votre merde. Donc toi, en tant que boucheur de chiottes professionnel, ah oui. C'est la technique. Non, moi, j'ai acheté un furet. T'as mis tes... Mais enfin, laisse cet animal en dehors de. Non, de moi j'ai acheté un furet. Non, non, un furet, ça s'appelle. C'est un énorme câble métallique. Et tu sais, quand tu le tournes comme ça, c'est comme un câble optique. Quand tu le tournes, tout le câble se tourne. Et du coup, tu veux aller jusqu'au bout de tes canalisations comme ça, en fait. Comme ça que tu débouches. Ça, c'est un truc de plombier, mec. De professionnel, ouais. C'est bon. T'es tellement un gros boucheur de chiottes que t'as acheté. Ce que le plombier il a dans sa camionnette, ouais, quand tu l'appelles pour lui dire j'ai bouché ça s'appelle un furet. Donc c'est alors moi, un les gros gars, boucheur dis, de chiottes. Le truc du cintre, c'est ça passe ou ça casse. Ça veut dire si ça marche pas, vous avez en plus d'avoir laissé cette preuve infâme de d'eau avec des bouts de merde qui flottent et tout de fou. Vous avez en plus au milieu de tout ça dézingué le cintre de quelqu'un, ce qui est genre. Non, ça va. Ce qui lui offre le plaisir de vous imaginer en train de prier pour que ça se débouche avec enfin, ses le plaisir, non, mec. Non, non. Non, au moins, il ira... Eh, mec, je préfère un mec qui essaye de déboucher mes chiottes. Mec, moi, je préfère un mec qui sort de mes chiottes décomposées et qui me dit « J'ai bouché les chiottes. Et » Et du coup, tu fais quoi? Ça y est, j'ai bouché les chiottes? Je vais pas les déboucher? Du coup, c'est à moi de mettre mes mains dans ta merde? Non, bah il me demande un cintre ou de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Voilà. Mais il fait pas l'espèce de Tom Cruise à revenir dans la cuisine, voler des trucs et repartir. Et en fait, je t'explique. Si un jour, tu sors de mes chiottes et qu'il y a de l'eau à ras-bord avec de la merde qui flotte partout, un cintre au milieu de ça et de la mousse, on n'est plus potes. J'allais dire, on n'est plus potes. Mais ouais. Pas du tout. Bon, vas-y, assez parlé de caca là, putain. En même temps, Jean-Jules, ça avait le poop killer. Ah ouais. C'est les graffiti dehors, mais faut que je nettoie, faut que je trouve. Mais j'espère que vous avez appris des trucs. Normalement, le liquide vaisselle et l'eau chaude, ça passe. Hein. Non, les gars, faites pas ça, je vous jure, c'est trop risqué. Je vous jure, mais faites en pas quoi c'est risqué? Ne faites pas cette strat. Mais en quoi c'est risqué? Je comprends pas. C'est risqué de baiser. Tu dois. Les graffiti dehors. Là, t'avais une sortie dehors. Le liquide vaisselle est. D'ailleurs, c'est très bien. Hein. C'est vraiment très bien. Moi, je vous dis, ne. Mais pourquoi tu dis ça, genre? Parce que si ça casse. Si ça marche pas, t'es juste un taré. Mais pas du tout.
Franchement, si. Mais non. C'est comme quand tu coinces ta main ou quelque, ou tu sais, genre un truc à un endroit difficile à retirer, tu sais. Ouais. Tu sais, souvent ça rentre facilement, mais ça sort difficilement. Bah, tu la coinces souvent dans les chiottes, vu que t'as un déboucheur de chiottes. Non, mais dans un endroit comme ça, tu sais, genre un tiroir ou j'en sais rien, eh bien, tu mets du savon et hop, ça part tout de suite. Mais donc, tu penses que le bouchon. Mais oui, quand mais... je vais mettre du liquide vaisselle dans l'eau, tu crois, le liquide, il va aller au fin fond du truc, se déposer sur les parois autour du bouchon et hop, le bouchon va faire. Ça peut aider, oui, ça peut aider. Les gars, je pense que jamais une goutte de liquide vaisselle n'a débouché. Oh mec, tu parles à quelqu'un qui a bouché genre des dizaines de chiottes là, mec. Non, frérot, t'as beau être le plus gros boucheur de chiottes de France, je pense que le liquide vaisselle n'a jamais débouché des chiottes. Mais si. Mais c'est impossible. Mais pas instantanément, ça c'est clair. Non, accueillons le nouveau client, s'il te plaît, parce que là, Nouveau client. Bonjour monsieur, allô, tout va bien? Il est pas sorti. Mais qu'est-ce qu'il fait? Frérot, il est rentré dans la boutique par derrière, je crois. On parlait, mais... Non. Non. On parlait, mais... Oh, il est là! Mais comment il a fait? Je sais pas. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'il regarde? Quelle catégorie? Aventure? Aventure, c'est bon. C'est pas un gros dégueu. Je sais plus si aux vidéos futures, il y avait pour des pour certaines réseaux obscurs, je sais que ça marche. Non. Putain, viens. Alors, lui, il veut quoi? The Clone's Farm. Oula, c'est pas aventure, ça. Si vous voulez, je veux louer cette cassette et putain, ça pue la merde ici. Ah ouais, merde, on a pas dit. C'est 5$, monsieur. Désolé, il y a un client qui a utilisé nos toilettes et il a déglingué les chiottes. Et il a... Non, il a bouché les chiottes. Un client, c'est bien ça. Bon, allez, tiens, voilà l'argent. Bonne nuit. Attends, viens, regarde sur le billet si ça me ressemble ou pas. Non. Ben si. Mais les gars, c'est parce que c'est penché à 90. Mais là, il a clairement fait un easter egg de Squeezie là. Mais non. Non, là j'en suis sûr, Poop Killer, il est fan de toi. Mais frérot, pas du tout. Si. Si. Regarde. Mais c'est Abraham Lincoln. Mais non, c'est Squeezie. T'entends? C'est Abraham Lincoln, les gars, arrêtez. C'est Squeezie. Tu arrêtes, tu me trolleras pas. Attends, il y a les chiottes, qu'est-ce qui se passe? Motherfucker, clog the toilet. Alors, clog, ça veut dire boucher. Voilà, il a bouché les chiottes. Ouais. Alors là, on a rempli toutes les tâches dans l'ordre. Bah, du coup, faut retourner voir l'arrière-boutique, j'imagine, non? Peut-être. Non, je crois que ça y est, c'est fini. On a fini le jeu. Non, c'est un... Non, mec. On a fini le jeu, ça y est. Non, c'est impossible. C'est impossible. Non, c'est... Alors, il faut peut-être essayer de déboucher les chiottes, du coup, mais bon, vu que tu veux pas mettre du liquide vaisselle, tu veux pas mettre tes mains dedans... Ok, on va prendre du liquide vaisselle, on va essayer. Ok, bah vas-y, descends. Vas-y. Mais sûrement un truc pour déboucher les chiottes. Là. Non, y a pas un balai à chiottes ou un... Ou ton outil de fou de plombier, là. Toi. T'entends? Ouais, c'est ça, c'est le frigo. Mais non, c'est pas le frigo, c'est une voiture. Ah bon? Mais oui. Mais non, c'est le frigo, mec. Oh! J'avais raison. Lui, c'est un gros dégueulasse. Lui, il va aller aux adultes. Regarde, il va aller à adultes. Regarde. Et voilà! En même temps, c'est à l'entrée, mec. Je suis désolé, tu fais une pause. C'est un gros... Ah. Pardon, monsieur. Voilà, bah il était intrigué, il a regardé, ça se trouve il était même pas au courant que c'était une catégorie adulte. Ah, il va dans les movies suspense. Ah ouais, ça se trouve il voulait un truc de suspense. Hein. Mais où il veut en venir ce jeu là? On est où là? C'est bon là? Bah en fait, je crois que vu qu'on a fait les trucs dans l'ordre, on va avoir la boring ending quoi. Ah ouais? Ouais, je pense, ouais. Non, c'est pas possible mec. Bah tu sais quoi, on va attendre mec, hein. On va jouer. Hein. Adventure movies. Faites pas semblant monsieur le gros dégueulasse. Ce que vous cherchez, c'est pas le adventure, c'est le adulte. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a pris? True Sloop. My God. C'est quoi ça? Ça pue sa mère. Ça pue. Désolé, monsieur, il y a un client qui a utilisé les chiottes et il a bouché les chiottes. Fais attention. Oh, l'odeur pourrait attirer... Le Poop Killer. The Poop Killer. Quoi? Poop Killer? Jamais entendu. Je l'ai vu. Dans les journaux, la nuit dernière. Il cherche, il en a après les gens qui ne tirent pas la chasse d'eau. C'est un con, avec de vrais problèmes mentaux. C'est bizarre, demain je demanderai à quelqu'un de venir déboucher les chiottes. Oula. Prends soin de toi mon ami, tiens voilà l'argent, garde la monnaie. Ils sont sympas en tout cas les clients ici. Hein. Mais on joue à quoi là en fait là? On est où là? Alors en fait je crois que du coup on est en train de découvrir qui c'est le Poop Killer. Le Poop Killer c'est quelqu'un qui vient
quand t'as bouché tes chiottes, il vient de retourner, tu vois. Genre, il aime pas les chiottes bouchées, tu vois. C'est ça, Squeezie et Locke en 2024, là. Frérot, viens, fais notre jeu, genre, c'est bon. Mais toi, regarde, toi, par exemple, t'as bouché des chiottes, genre, t'as dit des dizaines de fois. Ouais. Il est jamais venu, le Poupkilla. Statistiquement, tu l'aurais forcément croisé. Bah, pas sûr, non, pas sûr, ouais. Bah, si. Mais pas sûr. Tu t'es jamais senti menacé par un mec bizarre Si, de temps en temps. Hein. Voilà. Mais j'ai toujours donc débouché mes chiottes. C'est peut-être basé sur une histoire vraie, du coup, le jeu. Peut-être, ouais, mais j'ai toujours débouché mes chiottes en temps réel. Ah, genre avec le cintre et le liquide de sel direct après. Mec, je peux pas dormir si mes chiottes sont bouchées, frérot. En même temps, je pense que c'est horrible, mec. Mais t'imagines, mec, tu te dis, vas-y, je vais dormir et demain, je vais demander à un autre mec de mettre ses mains dans ma merde. Genre, ça te dérange pas, genre? Bah, quand y'a... Oh ah, c'est ça. T'as pas flush, John. Je t'ai ramené un cadeau. C'était pas moi, c'était un client. Mec, mais va le courser. Je peux fermer ça? Ah ouais, c'est bon, tout à l'heure ça. Y'a un truc qui arrive. Y'a un mec qui va m'aider. Attends, il est parti derrière. Mais je sais pas si tu devrais aller le checker, frérot. Mec, tire la chasse. Mais je peux pas, c'est bouché. Mais ça va faire monter l'eau. Essaye de tirer la chasse, je m'en bats les couilles. Y'a pas de chasse d'eau, mec. Ah, y'a pas de chasse d'eau, mec. Mais y'a un client qui arrive là. Putain, tu peux pas ramasser la merde là? Le comptoir. Non, merde, je peux pas. Merde, c'est l'occasion vraiment de dire merde. Attends, mais du coup, on a de la merde sur le front là et on va devoir accueillir. Ouais, putain. Aïe, elle va nous laisser une mauvaise revue sur Google, c'est sûr, mec. Elle va dire, je voulais acheter un film, il y a un on mec est avec foutu. Ah, on est foutu. On va perdre le job. Ah, je te le dis direct. C'est terminé. Tu sais que Quentin Tarantino a commencé par. Tu vois qui c'est? Ouais. Le réal, il a commencé par bosser dans un. Loueur de DVD comme ça. Ah ouais? Ouais, enfin de VHS à l'époque. Oh, le beau gosse. C'est ouf, hein. Attends, y'a quoi en bas là? Peut-être faut que je descende. Peut-être... Attends, faut que j'aille me nettoyer vite. Avant que. Attends. Faut que j'aille me nettoyer vite. Mais tu peux pas. Mais si, regarde. Non, mais franchement, ça aurait été incroyable. C'est quoi ça? C'est rien, je pense qu'il faudra se cacher tout à l'heure ici. Mais comment je me. Mais on est. Mec, je suis mec, désolé. Mec, accepte que t'es de la merde sur le front. Mais ça se fait pas d'accueillir un client. Mec. Oh putain. Mais ça sent la merde là. Frérot, tu t'es chié dessus? Quoi? Ça sent la crotte là? Ça sent la crotte là. Et c'est psychologique, mec. C'est parce qu'on parle de merde depuis 20 minutes. C'est incroyable. Ouais, c'est ouf. C'est incroyable. C'est de la merde sur. C'est de la merde sur ton visage. C'est 5$ s'il vous plaît, madame. Oh, pardon. Tiens, les voilà. Elle a pris quoi, elle? The Elevator. Il cartonne, lui, hein. C'est la deuxième fois. Merci. Mec, le Poop Killer, il va revenir. Le Poop Killer, il va revenir. J'ai très peur. Je suis terrorisé. Alors c'était pas le Poop Killer, si je ne m'abuse, c'était juste un assassin. Moi je pense que c'était le Poop Killer. Moi je pense pas. Bah si, mec. Non, moi je pense pas. Et d'ailleurs, je pense même que c'était un des autres clients. Attends. Son là, exact. Il y a un son qui vient de derrière. Non, d'en bas, below. Ah pardon. Subnautica, below zero. Putain, on a pensé la même chose. C'est vrai? Incroyable. Sauf qu'il est nul, le jeu. Quoi? Là. T'as entendu, il y a un prout. Il y a eu un prout. C'est là? Check. C'est bon, nos chiottes sont pas bouchées. Il est dans nos chiottes en haut, je pense. Frérot, il est sûrement dans les chiottes en bas. En haut. Check partout là. Remonte. Oh le bâtard! Non! Non, mon non, arme! Non, pas ton arme, Locke! Oh, le connard! Salopard! Non! Mec, et en plus, t'as mis du temps à remonter, il a chié dans toute la boutique! Non, il y en a partout! Saltimbanque! Salopard! T'as pas honte? Eh, reviens là! Salaud! Il a répété! Il y a eu un bruit? Non. Je te jure sur ma vie qu'il y a eu un autre bruit de paix. Non.
Non, ça c'était juste toi qui a pété. Je te jure qu'il y a un autre bruit de prout. Je te promets que c'est juste toi qui viens de péter. Le level du jeu. Il est incroyable. Check les chiottes, check les chiottes. Il y a un mec qui a passé... Merde. Il y a un mec qui a passé du temps de sa vie à def ça, et ça, mon gars, je trouve ça exceptionnel. Descends. Ouais, il y a un truc à faire en bas. Oh non, c'était là. Ah non. Ça n'a pas une distraction pour nous boucher nos deuxièmes chiottes. Faut appeler la police. Qu'est-ce qu'on fait, Locke? J'en sais rien, frérot. Mais là, il y a un truc à faire, c'est sûr. Je ne sais pas où aller. Le bruit d'en bas, là, on a pas découvert ce que c'était. Check les conduits, là, au-dessus, là. Là, ouais. Là, et ouais. Bon, bah, remonte, vas-y, remonte. Bah, y a rien, là. Remonte, c'est remonte, remonte. Essaye de nettoyer la merde, je sais pas, non? Ben non, je peux pas, gars. Je sais pas quoi faire, Locke, je te le dis. Ferme le grillage, peut-être, là. Ouais, là. Ferme le... Mais c'est quoi, ce jeu? Là! Oh! Oh! Y a des chiottes! Vas-y. Non! Oh! C'est Monsieur Chiotte! Il s'est levé! Running out, beg. Alors, soit on court. On se barre, on se cache en bas là, dans le truc. Soit on. Non, on se cache en bas dans le. Tu sais, dans la pièce qui sert à rien là. On prie pour nos vies. Où t'as dit faut se cacher ici. Ouais. On fait ça, non? Vas-y. On va se prendre une merde dans le dos. Voilà. Allez, vas-y! Tu peux le faire! Il aille plus vite, Locke. Non, il va lancer. Il va lancer les troncs. Cours. Cours, idiot. Cours. La musique est en boucle parce qu'elle était pas assez longue. S'il te plaît. Oh. Elle est pas partie de sa main. Non. Non. Il fallait pas courir. Dans la nuque. Il nous a brisé la nuque. Il fallait peut-être qu'on... Attends, et si le jeu c'est une dinguerie, mec? Si le jeu c'était une dinguerie. Genre quoi? Et en fait, on nettoie pas la boutique. Comme ça nous permet de nettoyer les chiottes et nettoyer la boutique avec le balai. Payé ce jeu 6$, mec. Ouais. J'ai du mal à gérer l'info. Les gars, est-ce qu'il y a des fins alternatives ou c'est vraiment la seule fin? Il y a une suite, mec. Il y a le 2, le 3, le 4, le 5. Non, mais les gars, non. Non. Mais au moins, ils ont appris à déboucher les chiottes. Ça, c'est sacrément utile, sachez-le. Apparemment, dans le 6, ils ont mis comme Amine Bidik, ils ont beaucoup joué au jeu. Dans le 6, ils ont mis Amine Bidik, non, c'est tout. Ah ouais? Ouais. Bah, toi, t'es dans le premier, mec. C'est Abraham Lincoln. T'es sur les billets? Locklear. Chat, Squeezie sur les billets, non? Il s'agit d'Abraham. Squeezie Lincoln. Sur les billets, les gars. Ah, mesdames et messieurs, je crois que ça va être la fin de cela.